quelle expérience extraordinaire. C'est une grande fête familiale de sport, de défis. J'ai du plaisir comme un fou quand je viens ici. Pour tous les enfants qui en ont besoin, puis on marche à la mémoire de Jean-Philippe. Notre but, c'est de faire avancer la recherche. Puis on est là pour être inspirant, parce que malgré notre triste histoire, on est motivé plus que jamais. À chaque année, tu es dans une équipe. C'est le fun parce que c'est du monde de tous les départements, ingénierie, droit, marketing, de partout. Puis on monte ensemble en équipe pour lever des fonds puis avoir une fin de semaine vraiment le fun. Tu sais, pas dans n'importe quelle entreprise, les départements sont séparés puis on se côtoie pas tout le temps. Dans un événement comme ça, il y a vraiment de la grosse collaboration. Fait que je pense que c'est bon pour l'esprit d'équipe à l'interne, dans le travail, tous les jours, tu sais. Ah ben, c'est sûr que c'est la meilleure activité de team building que j'ai jamais fait là, en toute ma carrière. Là, je suis bâti des relations que jamais autrement t'aurais bâti. Là. Quand ils reviennent du 24 heures, ils en parlent beaucoup. Et donc, les gens sont curieux, voudraient dans le fond dire ben, moi aussi, l'année prochaine, j'aimerais participer. Your fellow runners, you'd be high-fiving as you went along. It was just the spirit of the event was out there on the running course. It was just beautiful. I did it. It was amazing. And this year I have raised more than $5,817. It's for my little brother. He has a pulmonary hypertension idiopathic. On a fait une vente de vêtements usagés, on a fait une enchère de célibataires, un photoshoot d'enfants. Mon Dieu, on a tellement fait de choses. On a amassé 40 000 $ quand même là. De donner une nouvelle cause, une cause autre que la cause fondamentale de l'entreprise pour rallier les troupes vers un nouvel objectif. C'est extraordinaire, ça fait sortir les gens d'eux-mêmes. Le bénévolat, c'est une manière de te surpasser ailleurs que dans ta job. Oui. C'est une manière aussi de te tester toi-même. Puis quand tu dis « OK, je m'en occupe, je vais prendre ce bout-là », c'est une nouvelle mission que tu te donnes qui n'a rien à voir avec ta mission professionnelle. Chacun trouve sa raison pourquoi il veut le faire. Il y en a que c'est la cause, il y en a que c'est le défi sportif, il y en a que c'est l'activité, c'est la fin de semaine. You feel exhausted, but at the end of the weekend, you know what you were here for and you know what you did. It's the best sleepy feeling I've ever felt in my life. Et le dimanche midi, l'heure à la fin, c'est impressionnant. Moi, j'ai tout le temps les larmes aux yeux. Ouais, honnêtement, c'est le moment où est-ce que tout le monde est comme tellement émotif. De voir tous les gens participer, c'est vraiment super. 24 heures de meilleurs moments. Le but, c'est d'avoir du fun et c'est tout pour les enfants.